Bonsoir tout le monde, merci en pile parce qu'avec nous sous télévision nationale d'Haïti dans le sens, un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro émission ça. Là, on fait encore un bras souterrain, nous allons regarder comment ça y est, qui je travaille ou avancer, qui ça cap régler dans le cadre de caravane changement. Nous avons équipe nous visité plusieurs communes, plusieurs villes pendant le week-end ça. Et c'est avec image, nous allons voir qui j'ai en réalité à présenter, garder tout et réaction population, garder, n'est-ce pas, impact travail ça ou gagner sous divers communauté côté travail à exécuter. Pour la petite chance, Baou, voyage après le très long assoya, en pile image pour aider au mieux comprendre la réalité caravane sous terrain. On a parlé avec Richardson Joudan pour nous démarrer. Richardson Joudan qui était dans le nord, qui était dans le nord-est week-end ça. Richardson va dire exactement ça, et ensemble de communes qui ont visité, qui ont travaillé, avancé et qui ont population zone ça, comprendre l'initiative ça, comprendre la stratégie ça. Qui c'est caravane changement. Richardson, bonsoir. Bonsoir Sergio Lindor, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti. Nous connaissons, c'est chaque week-end, c'est comme ça, TNHVD, nous dans tout le pays, en façon pour capable faire, population, ouais, ensemble, travail capable réaliser dans le cadre de caravane changement. Week-end ça, nous étions nous dans le département nord pays. Premier côté, nous étions allés, c'était dans la commune, en dans cette ville-là même. On a un béton qui a coulé en dans la ville-là. Nous étions allés regarder dans qui phase béton ça, oui, comment travailler en dans la ville B. Après, nous sommes rendus sur la route nationale, là, sorti de, on peut pas dire, Kankok, Limbé, jusqu'à Vaudreuil. Il y a un travail qui a fait sur la route. Là, nous avons regardé qui avance et qui fait dans le cadre de travail. Ça, nous avons pris l'image et avec l'image, la population va laisser comprendre qui travaille cap fait sur route ça. Après nous avons parlé avec député commune, lui-même qui te font un bilan de divers travaux qui ont fait dans la commune. Il dit que c'est grâce à caravane changement qui fait un travail ça qui a fait dans la commune. Nous avons rendu nous tout sur route plaisance Kankok là, c'est même bagaille. Nous avons regardé l'image pour montrer la population qui travaille cap fait sortir de plaisance privée Kankok. Après ça, nous avons été là, nous avons allé dans la zone Fort Saint-Michel. Nous connaissons dans Fort Saint-Michel, il y a plusieurs rues là, il y a un paquet travail qui est en fait en dans Fort Saint-Michel. Il y a plusieurs qui sont déjà bétonnés, il y a d'autres qui tout travaillent et beaucoup fini. Avec image encore, la population pour aller qui doit avancer, qui est en fait en dans Fort Saint-Michel. Par rapport avec Jean Mounio, qui connaît zone ZAD, c'est une zone qui n'est pas bon longtemps, image pour le faire comprendre qui s'est déjà fait dans le cadre de caravane de changement. Nous ne traiter là seulement, nous connaissons, ce n'est pas seulement en route, ce n'est pas seulement TPTC qui est impliqué dans les affaires caravane de changement. Le ministère de l'Environnement est là dans le tout. Nous sommes avec le directeur départemental Nord-Est. Ministère de l'Environnement, lui-même qui parle, nous qui avons un bilan des divers travaux déjà faits dans le département Nord-Est. Nous avons parlé tout avec le directeur départemental Environnement Nord, là, qui parle de ça vous fait déjà et puis qui ça vous gagne en perspective. Nous pas traité là, nous sommes tournés. Nous sommes allés dans la zone tarinage. Nous connaissons un béton qui était déjà à couler dans la zone ça, un béton qui continue à couler. Nous avons regardé dans qui point de travail. C'est toute équipe là qui était mobilisée pendant le week-end dans ce journal d'or. Richardson Joudan pour Télévision Nationale d'Haïti. Personne dégâts avec Lilo Ord, Ali Jean-Jacques, monsieur Fampil Commune, week-end ça, image déjà parée. Premier côté, nous allons visiter téléspectatrices, téléspectateurs, c'est Limbé. Limbé avec travail bétonnage qui a fait ce route-là. Richardson, qui parle avec technicien, lui parle avec monde de la population, image disponible. On a ensemble qui vient s'aider pour route Limbé. On a continué à montrer la population ensemble travail qu'a réalisé dans le cadre de caravane changement dans le département nord pays. Là, nous sommes sur Kankok, passer l'imbé pour Albout, Vaudreuil. Sur ça, c'est technicien travaux publics, transport, communication qui est là-dedans avec CNE. Ils ont mobilisé depuis matin là, ils sont là, ils ont travaillé. Nous avons une image là, avec image, on a continué à montrer la population qui ça a fait dans le cadre de caravane changement. Image, vous allez parler, gardez avec nous.
nos pays, hein, ça qui déjà a une idée de travail qu'a fait dans le département ça, dans la zone ça particulièrement, image au palais, nous connaissons déjà une image vaut mille mots, via image au, n'a pas très certainement et mieux comprendre qui sa réalité aille, qui vient, n'est-ce pas, eh bien, l'équipe Caravane avancé sous divers chantiers qui gagnent dans le pays, pas billet, depuis après lancement Caravane dans tout le pays, à 7 février que se passé, à toute direction départementale au travail, et au gain des objectifs clairs qui fixés et au fur et à mesure, selon Jean-Président République là, te souligné le gagnant, évaluation qu'a fait pour qui côté y est par rapport à ça que tu as gagné comme objectif. N'a toujours été dans le nord, n'a toujours été l'imbé, là nous allons dans centre-ville l'imbé, et il semblait qu'un travail bétonnage qui démarrait dans centre-ville l'imbé ce maintenant, et week-end là, tu es un astral fourni, j'ai regardé, image au pareil, Richardson Jourdain, Laurent Dali, Jean-Jacques, pour aller aider nous comprendre ça qu'a fait dans centre-ville l'imbé, dans 4 caravanes. Week-end ça encore, télévision nationale d'Haïti souterrain pour fournir, j'ai regardé et puis montrer la population ensemble le travail qu'a réalisé dans le cadre de caravane changement. Là, nous trouvons nous dans la commune de Lembe, dans cette ville-là même, côté il y a plusieurs rues qui ont bétonné là. Nous venons là, nous venons regarder, nous voulons parler de la population, nous même qui voulons dire nous comment le travail bétonnage ça a fait dans cette ville de Lembe. Nous invitons à suivre. Le travail ça a fait là, son travail qu'a fait pour la population l'imbé. Or, dans la façon qu'elle a fait là, son bail qui gagne en pile garantie là-dedans. Qui garantit le gagne? C'est un béton armé. Deuxièmement, c'est un béton qui gagne une épaisseur de 20 cm. Donc, et non toute planche où nous mettez. Qui découpe béton, qui est le joint dilatation, c'est ça qui fait nous lier, fait pour entrer des bétons. Donc c'est ça qui permet que, et non seulement béton, tout son béton de 350 qui a recevoir n'importe quoi à l'aise. Ça veut dire, même les tabagons de l'eau qui a passé, il va pas avoir aucun problème. Même les tabagons de l'eau, il ne va pas en rien parce que non seulement nous gagnons qu'à niveau. Il y a des gens qui connaissent Caniveau, c'est pour Régoa. Non. Caniveau, c'est un canal qui passe dans le coin béton. Hein. C'est lui, ça veut dire qu'après, il y a un Caniveau, les deux bords. Donc, après, il jette de l'eau. Selon la dimension, côté de l'eau tombe, il y a un côté, c'est point haut. Des points haut, on va diviser de l'eau en deux parties. Puis, vous voyez, ça veut dire qu'immédiatement, dans le point haut, il vient de deux avales. Quand le béton finit de couler dans tout le là, après, côté de l'eau a tombé, l'eau n'a pas côté de l'abdomen. Non, immédiatement, le béton finit de couler dans tout le rio, ou pas qu'il y ait de l'eau crétée parce que non seulement, au bon béton qui est bien fait, qui est bien incliné, et non, qui gagne de 6 mètres.
Pour pas pour président Jovenel Moïse, nous avons un gros problème dans l'Embé. Sous tant de pays marécage, c'est l'Embé Irélé. Les lapins fait tout le cas inondé. Moi qui parle là, c'est mon l'Embé mieux. C'est dans la même elle la travail là, comment c'est là? C'est là-dedans, ma parle là. L'aime tout ça, même si Jovenel Moïse n'a pas fait rien pour moi encore, même qu'a dit me réaliser, merci Jovenel Moïse. Ça, c'était pour Centre-Ville, l'Embé, travail et bétonnage qui termine ce maintenant. Et là, ouais, comment ça y est pour week-end avec l'équipe nous qui votait Imajo. Nous avons des précisions techniciens qui travaillent sur le chantier qui expliquaient la qualité de travail à faire et l'impact de travail après le gagner. Nous avons des réactions, nous avons de la population hein, qui retourne sous Jean Saté avant et qui dit mais comment ça a commencé et comment le quoi ça va lier après le travail fini. Et là, nous souhaitons, M. Damio, avancer et avant longtemps, lui remettre route ça en bonne et du forme. On va continuer à regarder comment ça y est. Fassan va parler avec député Lembé, député Franzi Louis, qui lui-même va dire nous, eh ben, et comment le comprendre, ensemble de travail qu'a réalisé dans la circonscription liée, et dans qui sens si quoi travail ça est capable de faire une différence, parce que c'est ça, finalité à doyer, finalité à c'est arriver à faire une différence dans la vie communautaire. Faire sûr que, bon, bah, qui part là, qui vient là, qu'on y a, ça qui est capable de l'espoir à moun qui vivre dans la zone. Ça. Nous t'es parlé avec député Louis et lui-même, il va nous impression lui et pourquoi pas dégager ensemble perspective pour circonscription Lembé. Tu as répondu à une question collaborateur nous, Richardson Jourdan et puis Laurent Darly Jean-Jacques. Toujours dans l'idée pour faire population qu'on est ensemble tabac à réaliser à travers le pays dans le cadre de caravane de changement. Là, nous trouvons nous dans la commune Lembé. Nous avons avec nous le député commune qui c'est Franzi Louis. Lui-même qui parle dit nous comment dire le travail ça au cap fait dans la commune. Député Franzi Louis, t'es dirigeant national d'Haïti, salut. Et moi, salue tout le monde qui a écouté nous à un moment ça là. Et non pas moi, c'est Franzi Louis, j'en ai dit là. Et je dis à son plaisir pour tout le monde dans la commune Lembé qui vient de bétonner ça, qui est fait dans moment là, parce que la caravane est arrivée sous nous t'attendons ça et nous, la population, bien apprécié ce geste-là et nous demandons des présidents de continuer le travail. Nous-mêmes, nous souhaitons travailler, ça continuer sans camper, parce que nous prenons ça à l'autre zone, nous avons commencé à faire les mêmes gens. L'imbé tout, nous pas souhaité pour commencer, pour camper. Nous demandons plus d'accompagnement, supportez-nous, pour que toute fille soit capable de joindre ça au besoin à temps, pour que l'imbé bénéficie du projet, effectivement, j'en prévois là. Là, on parle de nous, là, comment vous avez oui, ça a réglé l'avenir de Salines. C'est une équipe plus longue dans la commune pour bétonnage là. Et nous comptons monter dans la zone moulin, zone délevé, zone canal, zone tama. Ça veut dire que c'est toute cette ville là net, nous souhaitons qu'il bétonne. Je ne veux dire là, béton déjà coulé dans ça. Bon, appréciation des travailleurs déjà démarré là. Je pense que nous-mêmes, comme journalistes, nous devons voir ça. J'en ai une population campée là. Bien, mon campé là, c'est parce qu'il y a travail. Mais c'est des gens qui ont suivi le ciment, qui ont suivi le matériau, qui ont suivi les gens qui ne peuvent pas travailler. C'est des gens qui viennent pour te supporter, pour le projet, pour dire président, il y a supporté. Pour dire député, il y a supporté parce qu'ils croient dans le projet et ils aiment le projet.
C'est depuis qu'il y a une intervention qui fait dans la commune ça. Pas de compte qu'il travaille ça longtemps là. T'es qu'on y travaille longtemps, mais pas de jambon travail qui fait dans un niveau rapide comme ça, pour nous travailler la journée, pour nous travailler la nuit. C'est grâce à la caravane qui fait aujourd'hui à là, nous avons un bétonnage ni la journée ni la nuit ça campé. Qui j'en vois population travail ça qu'a fait là? Ah, population dépassé content. Parce que y'a pas de jambon senti vent caravane dans le département, dans la commune, la caïnouan. Mais aujourd'hui à là, tout le monde n'en fout, tout le monde l'imbé. Comprendre vent changement ça, livrer tout bon vrai. Et maintenant, des présidents, moi-même, c'est débuté l'imbé, bas l'imbé. C'est pas seulement bon bétonnage l'imbé, m'ta souhaité le penser tout. Même à 2 km pour moun bas l'imbé, même j'en nous connais la demande déjà. Pour que vous ayez 14 km asphalt, dans le cas où vous avez arrivé dans le bord de Balembe, nous demandons au président, comme Balembe c'est voté le tout, même Jacques Moulembe, même si j'ai une quantité pour Balembe, nous avons ajouté dans la commune Balembe un déclot en béton. Pour que moun Balembe soit capable, ce n'est pas celle Limbe débuté à supporter, ce n'est pas celle Limbe président à supporter, c'est ni Limbe ni Balembe. C'est plusieurs rues dans la commune à bétonner. C'est centre-ville là, net cap bétonné. Pour ne pas dire toute Limbe, mais centre-ville là, nous connaissons toute rue qui a commencé, ou qui va commencer, il n'y a pas de béton. C'est ça qui nous conclut, c'est ça qui nous ouais, qui peut le faire. Bon, à part de centre-ville là et route nationale là, même nous, il y a un travail qui a fait sur route là tout. Oui, combien de Limbe en chantier? Route nationale là, a fait là. Centre-ville là, a fait. Nous souhaitons penser à la section communale pour que nous ayons des bagages dans chaque section pour que les paysans qui ont voté commencent à allons souffle pour que le changement vienne de vrai. Parce que caravane de changement, il n'est pas pour un groupe de monde, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas centre-ville seulement, j'ai besoin de section, mais il faut qu'on ait priorité en pile, même à un limité. Il faut que les sections font titane pour qu'on ait, même dans une centre-ville, on a privé sur eux. Parce que le président a une volonté pour le travail, c'est une belle chance pour le travail et nous supporter toute action gouvernementale. Pour nous voir comment nous avons atterri tout bon vrai. Mais vous sortez nous là, l'imbé dit en chantier. L'imbé en chantier et toute population accepte et est d'accord. J'ai un projet à démarrer, j'ai un travail dans la commune et j'ai un président à travailler dans le pays. Le travail déjà démarré, vous souhaitez que vous travaillez continuer. Le travail déjà démarré et nous avons d'arriver nous filmer ça qui fait déjà pour que les gens qui à travers notre commune soient capables de voir qui ça caravane a fait dans la commune l'imbé. Sougué mon message, ça tape la débité, Fanny. Ça m'a dit pour tout le monde, Aïssé Baré, moi, c'est collaborer, en ne pas craser briser par rapport à Jean Moun a fait, a pensé pour faire craser briser des fois, Moun, ben, voulez que les barrières personnelles, ils passent par un grain de Moun, ils passent par des trois bases pour craser le pays. Moi, nous ne connais ça. Nous croyons que les barrières qui vivent, c'est pas fait. C'est vrai, mais nous sommes d'accord tout, faut tout le monde connaître, les pays à craser, c'est pas Jean Moun qui a craser, c'est pas débité à craser, c'est pas ministre qui a craser, mais c'est tout Aïssé qui a victime. Jodi à la fois, Aïssé pas conscient. N'a crasé briser c'est bac n'a fait en construit pays ensemble pour que nous capables développer pays avec président avec autorité et autorité tout dans chaque zone pour prendre plus conscience pour que nous avons peuple qui a souffert. Merci beaucoup. Merci. Nous faisons un gros zoom sur l'Imbé et à Skoya dans le cadre de l'émission. Nous sommes sur la route là, nous sommes ici dans le centre-ville. Et là, nous parlons avec le député Franzi Louis qui lui-même explique nous l'importance du travail ça a gagné pour la communauté et la nécessité pour que le travail avance, pour continuer, pour ne pas camper dans la route. Et puis bon, un message qui allait dans le sens pour la stabilité, ça qui pourra permettre ensemble le travail qui a commencé, il y aura poursuivre dans l'intérêt de la population. Alors, à taper un signe lien, et Samuel l'a redit comme Haïti, c'est résultat ensemble de choix, hein, ensemble de réflexes que nous développons pendant l'année passée, et qui fait que c'est Samuel là, et c'est qui fait que c'est ça que fait, c'est là nous y est toujours. Maintenant, si nous devons renverser le temps d'instant, nous avons besoin de faire de le choix, nous avons besoin de l'autre réflexe, et qui pourrait aller dans le sens la paix, qui pourrait aller dans le sens concorde, qui pourrait aller dans le sens vivre ensemble, qui pourrait aller dans le sens harmonie, qui pourrait aller dans le sens respect l'une pour l'autre, qui pourrait aller dans le sens tout, on s'y attend une culture de tolérance. Nous venons de parler d'un même genre, même pas obligé de caser une autre pour ça. Nous avons toujours discuté, regarder qui ça nous capable de sortir pour le bien de notre cher Haïti.
N'a toujours été dans le nord du pays, nous prenons le Fort Saint-Michel, c'est-à-dire qu'on s'en travaille depuis plusieurs semaines, qui démarrait dans la zone ça, et plusieurs rues dans le Fort, il y a un travail bétonnage qui t'a fait. Week-end ça, nous retournons avec Jourdan et puis le roi d'Ali Jean-Jacques, nous prenons regarder en image travail qui est déjà fait dans diverses rues dans le Fort Saint-Michel, dans la deuxième ville pays à Cap-Haïtien, avec l'équipe nous qui est sous place. Nous trouvons nous qu'on y a dans Cap-Haïtien, précisément dans la zone Fort Saint-Michel. Zone Fort Saint-Michel, nous connaissons, il y a plusieurs rues là-dedans. Il y a un travail qui t'a fait dans la rue Sayo, travail bétonnage qui était déjà démarré dans plusieurs rues dans la zone Fort Saint-Michel. Dans la rue Sayo, il y a un côté travail qui est en fini, mais il y a un côté tout travail avancé. Mais les gens qui habitent fréquentent la zone ça, qu'on est dans qui est la zone ça, c'est qu'on a un peu de l'eau avec la boue qui est dans la zone ça. Mais grâce avec caravane changement, nous sommes capables de dire qu'il y a un paquet de rues, un paquet de zones qui est en bétonné là. C'est ça que nous venons là. Nous venons faire un coup de dé avec image, nous voulons quitter la population, image, ou même quitter qu'on fait quelques zones ça, nous finissons garder l'image, ou à guetter en qui ça a avant le changement, guetter en fait dans la zone Fort Saint-Michel. Nous invitons à suivre. Travail ça, nous garder le travail qui est déjà fait, nous garder tout, qui a coûté que le travail a pu poursuivre. Alors, c'est ça l'idée, hein. C'est aider nous à ça fait, mais aider tout, regarder qui ça a beaucoup fait. Ça qui pourrait très certainement permettre l'équipe de coordination caravane à prendre note et puis pour aller agir en conséquence. Parce que la population, vous voulez, à ce que la différence en fait, elle fait tout bon vrai. Alors, ensemble, le travail qui commence, il faut qu'il continue et il faut qu'il arrive jusqu'à l'inauguration. Ça qui pourrait permettre la différence que nous souhaitons à l'itouner et en réalité. Après, dans le département nord, là, nous prenons le carénage. Quelques semaines de centre de carénage, puisque route ça a aidé à déboucher son centre de l'autre zone dans le département nord. Comment ça va au week-end là? Est-ce que M. Damio était avancé? Si vous avancez dans qui niveau vous voyez, image au bras, tout détail, ça va vous dire.
Nous toujours dans la ville Cap-Haïtien, précisément dans la zone carénage. Nous connaissons ça il y a longtemps, il y a un travail de bétonnage qui était déjà démarré dans la zone ça. Travail n'a pas campé, tout le week-end ça, travail a continué, c'est béton qui a continué à couler dans la zone, il vient juste dans le monde. Nous là, nous venons regarder qui avancement qui fait dans le travail ça. Nous allons parler avec nous, même qui va dire nous comment nous travaillons, nous invitons aussi. Femme plaisir, c'est le fait que les hommes n'ont pas travaillé paisiblement. Nous n'avons pas rencontré aucun obstacle et de plus, nous sommes patients que nous croyons que nous-mêmes nous avons un bon barrage. Et jusqu'à présent, que nous-mêmes nous sommes très satisfaits, nous avons avancé très bien avec béton. Comme nous sommes venus tout dernièrement, nous avons pourquoi il y a un béton. Et là, c'était un cadre avec le coffage acté là. Maintenant qu'on a commencé à couvrir la surface avec béton. Et sur toute longueur, on a mis le béton là, jusqu'à ce que nous venions maintenant. Oui, on a mis le béton toute longueur, comme nous t'ai dit déjà. On a mis le béton toute longueur là. C'est notre finition, nous, là, actuellement là. Et dis-nous, comment c'est satisfait de travailler? Oui, très satisfait, parce qu'il faut mettre en finition là, et puis pour nous déplacer, pour nous de l'autre côté, parce que c'est objectif à pouvoir, c'est ça, pour avancer avec le service travail que nous avons fait. Mais qui garantit que nous avons ce travail? Est-ce que nous avons son travail qui capte un bon bout de temps là? Oui, et si nous regardons l'épaisseur et béton déposé, nous déposons béton là plus de 25 cm. Parce que ça fait ça, parce que le sol là pas de bon. On peut pas faire des côtés qui me joignent des marquages là boue. Je suis obligé de faire traitement et puis de mettre béton là correctement. Et monsieur, si c'est quelqu'un soit pour la loi qui a passé là. Après c'est travail la capote là, c'est bel travail et tout le monde applaudit, président. Président travail et tout le monde applaudit, bravo. Bravo. Là, nous avons les B dans le carénage et ce qui va pour le travail, on a commencé longtemps. Près de 350 mètres de travaux qui ont fait bétonnage. Et l'importance que vous avez, il y a plus d'importance parce que son route qui ont une importance commerciale. Parce que l'Iro est lié, trois jonctions ou trois hôtels qui envoient trois hôtels majeurs. Et routes ça, son tronçon qui est très important, tu vois, pour la ville du Cap-Haïtien, au point de vue commercial, pour les touristes. Et je pense que on message de Gavou et tout. Gagner exutoire. Après route ça fin fait là. Il y a un travail pour qu'il fait en amont. Pour qui empêcher que nous qui étions arabes là descendent, boucher, ou à yo, canal yo. Ouais. Et nous pensons que l'exutoire qui gagne de
rue 27, bord Malorin, rue 26, pour qu'il t'a fait pour empêcher que l'eau, la pluie, pour que l'alluvion qui a descendu passe pour la descendre exactement avec ce droit dans la mer. Faut creuser canal Saint-Esprit qui n'a rue 28. Faut creuser canal tout dans la région encore qui va être tout problème ça au rivin. Cela veut dire que ça causer que l'air la pluie a tombé n'importe si fine millimètre de pluie que nous gagnons, eh bien, ou une inondation dans la ville au Cap. Cela veut dire que non seulement le travail bétonnage a fait dans la ville, ce qui est très bien avec caravane qui a avancé, mais en même temps, tout faut que le président pense faire un travail en amont. Ou aller vers voir par TPTC, ou dire, monsieur, dans le même caravane, il faut faire travail là quand même pour que la viabilité de béton, il même baille plus de temps qu'il est capable de prévoir. 20 ans, ça va 20 ans, ça dépend de gens qui vont continuer de travailler là pour faire que la chaussée a lui-même livre en temps durable pour nous. Voilà, c'est comme ça la réalité à présenter dans la zone carénage. Nous, c'est béton qui continue à mettre sous toute longueur et puis arriver dans le monde. Nous parlons avec Forman, nous parlons avec les gens qui vivent dans la zone. Qui montre qui est important ce travail ça pour nous. Parce que longtemps, l'aide de qu'on descend dans le carénage, il était comme un problème. Mais avec l'expérience que nous avons fait là, dans le jour passé, là, malgré que le travail est beaucoup fini, il y a de l'eau, il va avoir un problème encore. C'est ça qui fait qu'on est apte pour travailler, tu as fini net net. C'était Richard Son Joudan pour la télévision nationale d'Haïti. Alors là, et nous avons une population qui apprécie le travail qu'a fait au niveau carénage et qui attire l'attention sur l'autre travail qui a été fait pour arriver à protéger sa cap fait. Alors ça, c'est une remarque assez importante et nous devons souligner les gens qui approprié de sa cap fait. Alors il fait des remarques qui allaient dans le sens pour protéger, pas des remarques qui pour déranger ou bien pour détruire forcément le travail là, mais des remarques qui sont capables d'aider, mais sa cap fait là, nous qu'un pour un pile temps, puisque de toute manière, c'est moun nan zone qui pral profiter de lui. De toute manière, c'est moun nan zone qui pral utiliser route cap construit. C'est, j'en te dis, dans le commencement de l'émission, c'est pour faire une différence dans la communauté, c'est pour changer l'usage communauté. Et ça qui pral très certainement permettre production moun yo sorti non point et allons l'autre. Ça tout qui pral attirer touristes vingadé. Ça tout qui capable attirer investissement. Parce que au fait, nous besoin ça pour nous créer richesse, pour nous créer opportunité. Et ça qui très certainement rebaille l'espoir à jeunes particuliers. Même quoi c'est dans la ligne ça nous besoin de travail, l'idée pour que nous rebaille l'espoir à jeunes, nous rebaille l'espoir haïtien. Mais pour ça fait, nous besoin chaque monde à niveau paillot fait ça ou le faire. Parce qu'au final, depuis c'est Haïti qui informe la répercussion sur nous toutes. Et quoi c'est ça l'idée. C'est travail, nous chaque n'en partie par nous pour que Haïti pote bien. On était toujours dans le département nord pays. Là, on peut aller sous tronçon Plaisance-Kankok. Oui, Plaisance-Kankok, son tronçon, il y a un travail qui était annoncé depuis quelques temps. Il y a un travail tout qui est démarré depuis quelques temps. Week-end, ça, nous avons fourni, j'ai gardé pour nous voir dans quel niveau. Et monsieur, dame, et cap travail sous tronçon où ça a avancé avec le chantier. Qui s'est fait, qui s'est pour fait, qui s'est pourquoi fait. C'est tout ça que nous avons gagné dans l'image avec Richard Son Joudan et puis l'aurore d'Ali Jean-Jacques Cunha. Nous toujours dans le département nord pays d'Haïti. Là, nous sommes nationales là. De Plaisance à Kankok. Nous remarquons qu'il y a un paquet de travail qui a fait sur route ça. C'est ça que fait nous là, avec Imajo, nous allons inviter la population à regarder avec nous. Laissez-la essayer de comprendre et puis y'a comment la réalité est dans le département nord pays, précisément sur route Plaisance à Kankok là. Imajo, nous allons inviter aussi à regarder avec nous comment ça.
Richard Fonjoudan a déjà annoncé l'introduction à Soya et Caravane Changement gagne plusieurs volets. Il a souligné son stratégie qui doit permettre à la population de jouer un service, service plus vite. Stratégie qui propose des techniques pour l'adresser ensemble problème que la population fait face depuis quelques temps et problème qui est sans solution. Et bien là, Caravane a souhaité, pendant et présent si dans la zone côté où il y a solution, ça a arrivé pour te, et pourquoi pas des solutions appropriées. Là, nous allons aller avec responsable ministère de l'Environnement dans le département Nord qui va l'expliquer nous qui ça, au niveau ministère, ça y a fait hein, pour le niveau département. Et nous connaissons Haïti très vulnérable par rapport avec l'aléa qu'il y a à la question environnement. Et nous, dans la période cyclone, et il y a une dynamique tout qui met en place pour établir une série de centres germoplasmes et de propagation végétale. Pas oublier chef de l'État, parce que je peux annoncer l'année académique qui a privé là, ben, reboisement doit tourner une matière obligatoire. C'est ensemble de défis, ministère ça a gagné pour lever, n'est-ce pas, et dans le jour qui a fini là, et très certainement, Richard Sonjoudan, dans le cadre d'entrevue ça, garder éléments ça, garder paramètres ça, avec directeur, qui même tout dégager perspective dans le cadre de travail ministère de l'Environnement à réaliser dans le département de notre pays. Dans le lycée Fontesconi, Joseph, l'État répond à une question Jourdan à Darly Jean-Jacques, en nation. Ministère environnement, nous connaissons un ministère qui est impliqué dans les affaires caravane changement. Pour nous connaître qui ça qui fait déjà, qui ça qui a bien pour faire, nous avons avec un directeur départemental environnement Nord, lui-même qui va le bon bilan des diverses activités qui ont déjà réalisé dans la région Nord là, avec qui ça a gagné en perspective. Quand est-ce qu'on est salué télévision nationale et au nom de la direction départementale ministère de l'environnement, nous profiter de moment ça pour nous présenter bilan ça nous fait déjà avec le ministère de l'environnement dans Nord et activité nous gagne qui en cours. Oui, qui ça nous fait déjà, directeur? Ok, pour moi, décembre qui était passé, décembre année passée, nous avons fait une activité quartier PAM propre dans les 19 communes, côté qui était 10 équipes à 9 monde pour chaque commune qui travaille. Nous avons fait avec plusieurs objectifs. Un, pour nous nettoyer la ria dans 19 communes qui sont dans le deux, c'est pour mettre cob aussi dans la poche moun yo dans la période fête là. Ça, c'est une première activité que nous avons fait. Une activité qui est durable que nous avons là, une activité importante, c'est construction sans germoplasme là, qui a produit 4,5 millions de plantules par an. Construction commence dans la localité Grand Pré, qui est pour la commune Milo. Kapka sans germoplasme là bon pratiquement il t'a dû finir en août, mais à cause de quelques petits problèmes fait que construction continue en attendant que nous joignons l'autre date pour que nous fassions inauguration. Et pour sans germoplasme qui est en Grand Prix, dans qui phase numéro là actuellement? C'est dans phase construction bâtiment administratif et puis construction germoyau. C'est dans phase ça nous y on parle nous de un programme quartier pop qui nous fait, mais qui impact nous ça te bail? Bon, en termes d'impact, c'est que pour période Noël là, ou une période fête là jusqu'à janvier, l'aria était propre, même mon yo tout et je n'ai pas mis dans le poche pour te fêter pendant la période là. Nous, quand on a question de l'environnement, il y a un pile problème, un pile monde a parlé de tout le temps. Mais pour le département Nord, comment ça y est maintenant? Bon, le département Nord, c'est un département qui a de problèmes environnementaux graves. Je prends le cas de Cap-Haïtien qui est une commune qui est plus importante en termes de population du département Nord, qui gagne son commune à chaque fois la pluie tombée, inondé temps, il y a temps inondé. Et il y a une véritable cause, ça, c'est gestion bassin versant haut du Cap, son mauvaise gestion bassin versant haut du Cap. Et dans la mauvaise gestion, un élément important, c'est monocap. Construction faite de manière anarchique, à chaque fois qu'il y a la pluie, sol n'a pas conservé de tonnes de sol tombées dans le canot de drainage et automatiquement au cap inondé. Maintenant, il y a deux propositions que nous avons faites, nous avons discuté avec plusieurs partenaires. Par exemple, il y a une proposition pour que nous mettions une ligne rouge. Une ligne rouge dans le monde pour nous définir une ligne rouge qui permet que nous ne pas continuer à monter plus haut.
Et deuxièmement, pour nous garder avec tout acteur, yo, comment nous avons lancé une enquête pour nous identifier kayo, pour nous garder qui mérite de déplacer à court terme, à moyen terme et à long terme. Ça, c'est des propositions qui sont table là, qui discuter avec tout acteur en attendant que nous joignions un modus operandi pour nous avancer. Avec proposition ça qui sous table là, vous pensez que ça est capable de porter une solution ou une amélioration? Si nous arrivons à gérer monocap, nous arrivons à réduire le risque d'inondation ou de cap haïtien jusqu'à 70 à 80%. Parce que monocap, c'est lui qui est véritable responsable de ce qu'il fait là. Mais question bassin versant vous-même. Oui oui. Non parce que monocap fait partie du bassin versant rivière ou du cap. Or c'est mauvaise gestion en partie en amont bassin versant qui mettait nous dans situation sans aval. Toujours un vélo capable inondé, mais c'est parce que une mauvaise gestion en amont. Mais toute action nous fait déjà dans année passée, nous toujours faire des actions en aval sans que nous pas faire des actions en amont pour nous attaquer problème là réel. Et c'est ça que fait jusqu'à présent, gros action nous fait en aval, yo, pas de meilleurs résultats. Nous besoin aménager monocap et nous besoin aussi drainer rivière Oudjoukap. Parce que Oudjoukap, je dis, il y a 2 tonnes de sol qui plein, des portes il a pu tomber, il y monte. T'es gagné, je me rappelle que je suis dans la mairie au Cap, t'es en discussion avec un projet qui est doué, un projet qui est M-Dur, qui est doué drainer et rivière Oudjoukap. Mais drainer rivière au Ducap pas solution seulement parce que moi j'ai toujours été même janvier. C'est-à-dire quand la pluie tombe encore de tonnes de sol pour tomber dans rivière recouvrir rivière même sous drainer. C'est-à-dire nous pas gain l'autre choix n'obliger aborder question mode nos cap là. Oui, ça c'est pour commune pour cap haïtien mais l'autre commune pour les autres communes. Gagner par exemple si on prend Grand Rivière du Nord entre Grand Rivière et Baron, il y a un problème qui gagne de l'eau Grand Rivière qui est monté coupé route là dans certaines sections communales. Jodi a gagné un projet PMDN qui gagne de travaux que l'a fait de travaux de gabionnage etc que l'a fait pour protéger et les Grand Rivière pour ne pas monter sur route là. Mais problème environnement, ministère de l'environnement, c'est un ministère transversal. Activité environnementale, des activités transversales. C'est-à-dire tout le monde concerné. Problème environnement réellement, pas seulement lié à action physique pour nous faire, mais lié à un problème d'éducation aussi. Et ça fait, il y a un bagage qui est dans la feuille de route et ministère là, qui a gagné dans le gouvernement, c'était appuyer l'éducation environnementale. Il y a un accord qui s'y entre le ministère de l'éducation et le ministère de l'environnement afin que reboisement et reforestation viennent tourner un coup dans l'école classique, que nous commençons à implémenter dans le nord. Nous commençons à implémenter dans le nord. Nous avons réalisé avec DPC, ça nous relève un génie environnemental, un jeu environnemental, côté que nous avons pris l'école nationale qui est dans une zone qui est plus à risque, tant que Petit Anse, Bel Air, etc. Nous commençons à faire, nous gagnons des stagiaires qui ont fait des formations pour nous dans des écoles sur reboisement. Il y a deux petits même des élèves qui participent dans planter puis brandir dans l'école, etc. Et nous pensons avancer, nous pensons pousser l'activité. Ça fait partie de sensibilisation. Oui, ça fait partie de l'éducation et sensibilisation environnementale. Nous pensons pousser l'activité, nous commençons à regarder avec quelques partenaires tels que Kemonix, projet Kemonix, projet UAP qui dans le nord. Comment ka aide nous prendre 4 écoles pilotes chaque année? Et bon, pour année, ça n'a pas 4 écoles pilotes dans 4 communes pour que nous commencions avec, pour que nous continuions avec ça, l'éducation environnementale. Là. Parce que l'éducation, c'est base. L'homme n'a fait éducation, on fait seulement éducation. On a fait activité physique aussi, c'est-à-dire, on fait formation pour élèves là, mais le participer tout, on planter puis bois, on corriger la vie dans tout le bagage là. Pour qu'on y a là, dans le département, c'est qui ça a fait là, qu'on y a, dans ce qui est environnement? Bon, ok. Dans nos jours, dit, ça a fait. Nous avons senti à mon place à construire. Nous gagnons 2 partenaires, par exemple, si nous prenons Balimbé, nous avons un partenaire qui a mis en place avec nous en pépinière communale pour que nous mettions de forêts communales. Il y a plusieurs types. Il y a des forêts à vocation écotouristique. Par exemple, limonade dans la zone Fossé Capois, nous allons mettre en place une forêt à vocation écotouristique. Nous, à peine dans ces études-là, nous avons deux films qui bidaient pour faire études pour nous mettre en place une forêt à vocation écotouristique. Son forêt qui permet de rentrer l'argent, mais qui permet de valoriser l'acquis touristique que nous avons dans la zone. Et nous pouvons faire dans toute zone touristique qui est dans le nord. Par exemple,
nous commençons à identifier tes plein du Nord, nous commençons à identifier tes grandes rivières dans zone Cormier, et nous commençons à réunir avec notre partenaire, avec Mério pour nous identifier tes. Nous gagnons aussi de forêts, de vergers communaux. Vergers communaux, c'est des bails que nous avons mis en place avec la mairie. Avec la mairie et avec yon fondation pour le volontaire, qui n'a pas l'argent, mais qui pour le volontaire, yon fondation à Richal, qui identifie déjà, si je prends Saint-Raphaël, nous identifie 13 hectares. Nous prenons l'Imbé, nous identifie 5 hectares. 5 hectares. Et pour l'Imbé, pas trop longtemps, nous avons mis en place un verger communal. Là. Verger a plusieurs importances. Première importance, c'est que nous ne pouvons pas planter pied bois pour nous planter pied bois. Verger pour produire fruits, nous pour responsable gestion verger pour vendre fruits, pour mettre plus fruits disponibles pour mon brunch, etc. Deuxièmement, nous participer aussi dans protéger l'environnement, dans épurer l'air, dans mettre oxygène disponible pour mon respirer, etc. Ça veut dire nous verger, notre objectif nous faire verger, c'est objectif un pour améliorer sécurité alimentaire, deuxièmement pour protéger l'environnement. L'autre bagage nous gagnons, nous appuyer certaines organisations locales, par exemple Simpoint Cap Vert, qui travaillent dans sa nouvelle gestion des déchets. Gestion des déchets dans les villes. Pour ces déchets biodégradables que vous avez transformés, pour faire compost, pour aider les gens dans la ville à faire sa nouvelle agriculture urbaine. Faire manger sous tête caillou, dans matériaux de récupération, etc. Pas ça aider nous faire qui ça. La aider nous réduire déchets biodégradables, mais la aider nous réduire des déchets aussi non biodégradables. Pourquoi? Comment on a réduit déchets non biodégradables? Parce que côté nous pour aller mettre compost pour nous faire manger sous tête caillou, c'est des déchets non biodégradables que nous avons réduit tout. Nous gagnons deux travaux que nous avons fait avec direction départementale de l'agriculture. Agriculture, comme c'est des secteurs qui sont très proches, pour que nous réunions avec tout acteur qui travaille dans l'environnement de l'agriculture pour nous harmoniser l'action dans le souterrain. Nous faisons une première réunion déjà. Nous faisons une première réunion qui est faite à Satama. Nous avons ensemble des discussions qui sont avec acteurs. Nous avons une deuxième réunion à planifier actuellement. Nous avons réuni informations qui gagnent chaque acteur. Par exemple, qui sont faits, dans qui zone on va faire. Et pour nous garder, et si il y a des acteurs qui gagnent des activités qui ont fait dans la même zone, comment nous faisons plus pour nous bénéficier à l'activité. Si on va pas dire la dire que c'est Gisèle. Bon, en termes de à vos perspectives, il y a d'autres bagages encore. Par exemple, si on prend air protégé, par exemple, on prend Bed Lacule. Nous te joignons un personnel qui t'a coupé mangrove. Nous, le ministère, t'a balayé une lettre d'injonction pour que l'aller dans la mairie a coupé mangrove pour qu'il fasse une construction. Nous te balayons une lettre et t'as dans la mairie pour aller dans la mairie pour que. Mairie interdit de faire construction parce que l'espace est un espace ministère de l'environnement, c'est un espace protégé. Heureusement, avec mairie, avec appui mairie, avec juge de paix qui était dans la zone, nous avons pour backup la police, nous avons bloqué la construction. Actuellement, dans la question air protégé aussi, nous gagnons Citadelle. Mercredi prochain, il y a installé son bagage multisectoriel qui gagne ministère de l'environnement, qui gagne IT et ministère finance, qui gagne ministère tourisme, qui gagne ministère culture et qui gagne ISPAN. Il a installé un comité provisoire sous gestion PAC Citadelle. Qui a installé ce comité provisoire qui a fait des activités sous gestion PAC là. Pas oublier PAC Citadelle là, son PAC qui est en mission surface de 25 à 27 km2. Et qui sont quatre communes parmi communes, c'est Dondon qui gagne plus, qui gagne presque 64% de parc là. C'est-à-dire, notre travail comment Dondon même nous avons identifié un espace de 7 hectares pour nous faire une forêt à vocation écotouristique. Parce que c'est une zone qui est plein de grottes, qui ont un ensemble de bagailles qui amènent nous. Hier même, nous étions Dondon dans le festival des grottes là pour nous garder qui opportunité touristique qui gagne Dondon. Et ça nous gagne en perspective. Oui, et pratiquement un comité pilote a déjà en place parce que le ministère a déjà avoué Mounio déjà. C'est seulement lancer la plan ce comité mercredi prochain dans Citadelle. Et d'autres activités que nous gagnons, bon, en termes de bon garder perspective là, nous gagnons, par exemple, nous avons gardé avec communes, plusieurs communes, parce que nous n'avons pas tout ensemble en termes de moyens, nous n'avons pas de moyens, pour que nous fassions de plans
même j'ai gagné plan de développement communal plan de développement communal yo, c'est garder avec eux comment nous ca faire de plan de gestion d'environnement. Et parmi communes qui que n'a commencé avec et comme commune pilote, c'est la Cule, c'est Limbé, c'est Balimbé. N'a commencé. Et puis d'autres nous prévoit aussi appuyer agroforesterie dans zone là à travers quelques partenaires que nous en discussion toujours nous pourrons qu'à conclure. Même qu'on est ministère à travers arrache-pied, le ministre Simon ou à travers arrache-pied pour que activité nous avance. Nous gagnons aussi deux projets que nous dévoyons, des idées de projets pour caravane qui gagne des activités qui pour vous faites. Nous pensons qu'il y a des planifications qui a fait pour que l'activité commence. Un dernier message? Bon, dernier message, moi, c'est à inviter tout le monde dans le Nord pour participer dans gérer l'environnement. Parce que si nous pas gérer l'environnement, nous tout à mourir. L'environnement, c'est patrimoine, son patrimoine mondial. L'environnement, c'est affaire tout le monde. Le monde qui l'a gagné, fatra l'aide de l'eau passer là, il bouche tout et goût à Piba, l'aide de l'eau remonte et retourne la caille. Ça veut dire pas que le monde qui est pas épargné. Côté riche, côté pauvre, et côté mulat, côté noir, côté côté haïtien, côté n'importe l'autre, quelle que soit la mauvaise action faite dans l'environnement, l'a pas affecté tout le monde. Eh bien, nous demandons tout le monde, nous t'arrêtons. D'abord, objectif direction départementale là, et ministère même, c'est transformer tout haïtien en éco-citoyen. En éco-citoyen. C'est-à-dire, transformer tout haïtien vers la protection et la meilleure et une bonne gestion de l'environnement. C'est ça. Là, nous passons en revue ensemble le travail qui est réalisé avec le ministère de l'Environnement dans le département Nord et travail tout cap bien pour réaliser dans le jour qui va venir là. Et très certainement, ça nous capable de regarder la propre image pour vous. Et le directeur départemental là, tu as parlé de Saint-Jean-Mauplace qui a fait dans un grand prix. Et très bientôt, Saint-Jean-Mauplace est opérationnel et il retourne tout sous décision qu'il prend pour permettre à Anissa reboisement tourner en matière obligatoire. Ça qui va commencer à faire si vous nous et bien, porter contribution par yo, hein, jouer partition par yo dans construction pays yo, très certainement.